2, 3. Transperce, t'as pas moitié. Voilà. Ah bah là, j'ai littéralement perdu un bout de peau. Ouais, c'est bizarre, enlève ça. Vas-y, français. Et alors? Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Oh! C'est cool si tu commences pas à te casser la gueule maintenant. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve avec mon papounet adoré que vous connaissez peut-être parce qu'il apparaît dans toutes mes vidéos. Il est toujours là en background avec ses commentaires de fou et tout ça. Mon petit papa d'amour est professeur de Kung Fu depuis combien d'années? Bien une trentaine d'années. Nous sommes 35. On a un club de Kung Fu qui est situé à Croix-Rousse, au 16 rue Humbert-Colomès. Pour les curieux, post-confinement, vous pourrez venir faire un petit cours d'essai si ça vous tente. Mon papa a fait des trucs de fou dans sa jeunesse et il a passé beaucoup de temps avec des gens qui cassaient des briques et lui-même il cassait des briques à l'époque. J'ai trouvé des trucs assez sympathiques dans mon jardin et je me suis dit, étant donné qu'on est au jour numéro 28 du confinement, autant essayer de s'amuser un peu. Est-ce que c'est possible là, de casser des briques comme ça? Ça c'est possible, mais c'est très très dur. Ah mais c'est fait pour les professionnels pratiquement, ceux qui travaillent leurs mains à fond avec des produits, des médicaments chinois, permet de durcir. Sinon ça marche pas. La pharmacopée, c'est ça? Ah ouais. C'est des plantes, tu mixes et tout et ça rend tes os plus forts, plus durs, ça plus permet dur, des trucs de fou. Cartilage, tendons, os, mais ok. Je pense qu'aujourd'hui on va plus faire mumuse avec des plaques de carrelage parce qu'il nous en reste plein derrière la maison en construction. Là-bas, petit à petit d'en empiler et de voir jusqu'où entre guillemets on peut aller. Donc papa, déjà, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Ouais, pour... ça franchement, ouais. Ouais, c'est du gâteau. Ça c'est du gâteau, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour casser? C'est quoi en fait? C'est une question de force? Pour casser en fait, c'est la combinaison en fait, vitesse, impact, c'est tout. Vitesse, impact. Vitesse, impact, c'est-à-dire qu'il faut aller très très vite et contracter au bon moment en fait les poings ou la paume pour, comme un marteau en fait, pour que ça transperce, voilà. On a dû refaire ce plan là parce qu'il y a eu un petit problème de micro, du coup on re-switch sur le plan du marteau, mais t'as rien vu. Donc il faut que quand la main arrive en fait, la main qui est là, il faut que vous contractez au point que le poing soit un impact hyper lourd comme le fer là, comme un marteau. La technique c'est aller très vite, fermer les poings très fort, l'impact soit au maximum. Si vous frappez trop fort et pas assez vite, vous pouvez vous casser la main. Si vous frappez très fort, vous contractez pas, vous pouvez casser la main. Et il n'y a pas de demi-mesure, il faut aller en un coup. Parce que nous ce qu'on va faire c'est de la casse de coups. Regardez, pas dans ma on va essayer, regardez. Pas là, non, là c'est bon là. Si j'ai fait ça, je casse pas, d'accord. Si je fais ça, je casse pas. Si je fais un vitesse impact, ça casse. C'est ça qu'il faut faire, vitesse impact. Geneviève, elle avait aspiré, elle va me tuer. Voilà, maintenant il y en a partout. Bah, ramasse, vas-y. Bah oui. Mais c'est important de montrer ça. Et ouais, mais on aurait pu le montrer sur l'endroit de casse. Voilà, si vous vous demandez pourquoi je suis comme je suis. T'as raison, père. Si tu veux, tu peux devenir youtubeur. Comme ça, demain, quand je vais me réveiller pieds nus pour aller bronzer. Mais non, c'est rien, c'est des gros morceaux, ça. Voilà pour la démonstration biomécanique du mouvement. Maintenant, il faut juste arrêter de blablater. On va enfiler les protections, on va aller derrière la maison. On va essayer de faire étape par étape, voir déjà si c'est possible et voir jusqu'où on peut aller. Si vous pensez que je vais réussir à casser ça, dites-le moi dans le sondage juste là. Perso, je suis un peu en sueur, mais on verra. C'est quoi les tuiles, putain, c'est costaud ces tuiles. Bah ouais, bien sûr c'est costaud. Oh, bon, tu casseras pas ça, chérie. Non, tu casseras pas ça. Bah oui. Bon, cassez-la déjà. Donc à la base, ils voulaient vraiment que je casse les tuiles rouges là. Il faut que tu prennes une veste sur toi. Ça va projeter. Tu peux avoir dans les yeux. T'as des gants ou pas? Ouais. Et prends une serviette pour couvrir ton visage. T'es prêt Antoine ou non? Ça, j'en casse 3-4 possibles. Les rouges? Les rouges, c'est pas cassable ça. Ça, faut le pied, ça casse, mais pas les poings. Si tu casses ça, ta main, elle se casse. Les mecs qui cassent ça, je connais, hein, mais il faut des années pratiques. Attention, ça casse pas, hein. Le masque de ski qui a servi dans cette magnifique vidéo. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à la checker parce qu'elle est vraiment super stylée. Je pense qu'on est plutôt pas mal niveau protection visage avec ça. Je pense pas que je vais me prendre des débris quoique. Je viens de me rappeler d'une des vidéos de mon père quand il avait mon âge qui a fait une casse. Tu te rappelles de cette casse que t'as fait? Coup de pied, ouais. et la brique du mec, elle va sauter à la gueule. Mais les gars, regardez ça genre. Le mec en face, il a vraiment dû perdre 4 dents et demi. Ouais, je sais quoi. Regarde, ça casse pas. Merde. En fait, ce que mon père qui veut vous dire là, c'est que c'est pas des trucs faits pour la casse, c'est des vraies plaques de carrelage et des vrais trucs avec lesquels on a fait la maison. On en prend deux, on va commencer un ou deux. Un père. On s'est chauffé, du coup, les poignets, les coudes, les épaules off caméra. Je ressemble absolument à R. C'est totalement normal parce que le but c'est de se protéger. Oh, ce swag de pingouin là. Il prend des risques. Sous protection ou pas? Ma belle chevelure. Voilà. Putain, j'ai jamais tenu une caméra, frère.
Ça craint pas, mais dans le doux. Non, non, mais. Donc, s'il faut, t'es sans que je frappe, tu ne recules surtout pas. Je t'arrête vraiment maintenant voilà, dans la vidéo pour te dire de poser un petit pouce bleu des familles. Et si tu peux t'abonner, s'il te plaît, ce serait vraiment adorable parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à regarder les vidéos et partir comme des voleurs. Et ça, c'est pas cool parce que. Voilà. Breakdown. C'est une casse facile, coup de poing droit, retiré. Par contre, vraiment aller jusqu'au bout. D'accord ? Voilà. Transpercer le truc. Je suis en sûr. 1, 2, 3. D'accord, on traverse carrément. Maintenant, on essaie de. Je suis en sueur de ouf là. J'ai reçu un truc ici, donc couvrez-vous si vous faites ça. Donc avec les poings, il faut une protection. Pouvez-vous vous casser un os ou vous ouvrir Maintenant je casse avec la paume qui est plus facile parce qu'en fait la puissance c'est épaule, coude, paume. Donc c'est la paume qui vient en puissance, ce qui est plus facile, qui fait moins mal. Je sais pas comment me mettre. 1, 2, 3. Aïe, touché ici. Voilà deux. C'est épais quand même. Vu que moi je suis une tapette, on va mettre des gants. Même moi qui ai un niveau en fait, quand je frappe ces trucs, j'ai une onde de choc qui rentre dans ma main. J'ai un peu mal quand même, hein, d'accord. Mais quelqu'un qui fait pas suffisamment de traction, de machin, de travail musculaire, de travail un peu physique, attention, vous pouvez vraiment vous casser la main. Hein. Ouais, moi j'ai un bobo au poignet qui fait que je peux pas faire de pompe et de handstand sur les mains. C'est pour ça que je le pratique sur les parallèles de Monsieur Flag. Ils sont d'ailleurs géniales. On va commencer avec ça. Lui, il a 35 ans de kung fu, donc ça reflète pas la réalité. Protection, père. Avec le gant, c'est chelou. Hein. Breakdown. Allez, 1, 2. T'as vu, regarde. Voilà. Voilà, bon, t'as cassé, c'est bon. Vous voyez, comme c'est pas évident, imaginez que vous avez pas les protections. Là. En fait, si je mets phalange, elle tiendrait pas, tu vois. Vas-y. C'est facile, Tristan. Il va très vite. Pousse le poids du corps. Mais tout la force des épaules ici. Oh, même moi, je me suis coupé. Ouais. C'est bon, là. Facile. Non, 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 c'est ça avec le ça gant. Suffit pas, je t'ai dit, arrête. Ça suffit pas, t'as le truc au milieu. Oh. Juste avec ça. Non, ton poing se casse, t'es tombé. Mais c'est mort, j'y vais pas avec mon poignet, j'y vais avec mon poing là. Bah vas-y. Alors. Et pourquoi on commence pas par une? Non, mais trois, c'est bon, trois, on a fait déjà une ou deux déjà. Une, j'en ai fait une moi. Practice makes perfect, fam. Fais-en quatre. Non, 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 non. Vas-y. Attends. C'est un effet. Quatre, on a dit. Oh, fais doucement plusieurs fois. T'es sans, ce qu'il faut, c'est un coup sec, transperce. Pas à moitié. Voilà. C'est très fort. Voilà, j'ai littéralement perdu un bout de peau. Gros, je suis à blanc là. Starfall, aïe. Voilà, on va se demander si tu vas pas faire un malaise. Là, ça va te piquer. Hein. Vraiment. Ouais. Tu vas voir. Ne reproduisez pas ça chez vous. Mais c'est la peau qui tient pas. Moi, le poignet, l'impact, la force, même ça moi, me va. Regarde là-bas. Il y a moyen que la vidéo soit démonétisée de ouf, du coup je vais essayer de vous flouter les plans, mais c'est pas très beau à voir. Ouais. Tu penses moins et ça repart. Ça va piquer. Ça envoie du cerf juste près. Vas-y. Et là j'enroule. Presse. Oh son père. Tu presses fort. Wouah. J'ai dit que ça allait piquer. Vous connaissez. Ah. Vous connaissez cette baffe de la douleur, genre quand vous vous percez des boutons ou ça pique, ça amène grave de la baffe dans votre bouche. On va pas montrer à papy qui est juste là, sinon il va nous dire qu'on est con. En même temps. En même temps. Ah mais des gants comme ça. Retenez bien aussi la leçon, écoutez votre papa quand il vous dit des trucs. Ça avec le gant. Ça suffit pas, je t'ai dit arrête. Avec qui tu tiens là, vas-y. Lui tient. On a gagné en soi une bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Cette première casse, qui est la première que je fais depuis peut-être 5-6 ans, restera pendant un bon bout de temps gravée sur mon petit corps. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce maintenant, qu'on fait? Maintenant, on va faire une casse court en fait sur ça là. Ça. Bruce Lee, il appelle ça le one inch punch. C'est donc ça. C'est que ouais. Tu te mets d'ici et tu as que one inch en fait d'ici de distance et tu fais. T'as pas le droit de faire un recul comme j'ai fait, c'est juste. Voilà. Tristan, il en a cassé 4. En fait, à son niveau, il fallait jusqu'à 10. Hein. Ah ouais? Normalement, à 8, ça passe. Oh là, les gars, je laisse vraiment zéro endroit de peau apparent. Dans cette vidéo, j'aimais vraiment, en fait, le respect que j'ai pour les gens qui cassent à main nue. Maintenant, vous savez que main nue, c'est hyper difficile. C'est reparti pour l'enlèvement. Je te protège. Arrête, c'est bizarre, enlève ça. De recul, mais j'ai juste mis. Bah. Interesting. L'objectif c'était pas de montrer qu'on peut casser sans se faire bobo, c'est tout. Ça fait super longtemps que je vais pas pratiquer. C'est de ces erreurs hein, qu'on apprend dans tous les cas. Physiquement j'ai pas mal, à part.
part du coup au doigt. C'est pas une question juste d'avoir de la force sur un développé couché et de savoir la mettre que sur le développé couché. C'est une question de savoir contrôler un peu son corps et mettre de la force dans d'autres mouvements. C'est dur, hein. Ouais. Allez, un point. Allez, une petite. 10 plaques de carrelage. Sondage juste là. Non, le poids. Appuie bien sur les épaules. Voilà. Traverse carrément. Bouge bien ta hanche. Voilà. Voilà, comme ça. Pousse bien tous les pieds. Hein. Appuie bien sur les pieds. Vas-y, je pense que c'est bon. Et alors? Facilement, je t'ai dit, tu peux aller jusqu'à 15. Je dis, l'onde de choc, mais là, l'onde de choc, les gars, j'ai senti. Enlève, bouge ton doigt, l'onde de choc. Là, je l'ai senti de là, ça fait. Ouais, range-moi tout ça maintenant, les baguettes qui sont rangées. Quand même. C'est pour ça qu'il faut les baguettes. C'est dur, hein. Plus sans, dur, hein. Sans baguette. On se retrouve du coup avec une petite blessure de guerre, mais un défi plutôt validé pour le coup. Je pensais pas que j'étais capable de gérer 10 plaques de carrelage. Je pense qu'on pourrait monter au-dessus, mais je pense pas besoin. Et je pense qu'il y a moyen de se faire mal. Parce que rien que la dernière, j'ai senti qu'il a résonné un peu dans le bras. Et accroupi. C'est beau. Je me suis mis une patate, mais ça va. On est une semaine post ce que tu viens de voir. Comme tu peux le constater, mon doigt a eu le temps de cicatriser. Je t'ai dit, on a eu des petits soucis de micro qui ont fait qu'on doit retourner tout ça. Au moins, si tu as envie d'essayer l'expérience, chose que je ne te conseille pas, mais je sais que dans tous les cas, vous m'écoutez pas trop. Donc voilà, si t'as envie, tu sais quoi faire et tu sais quoi ne pas faire surtout. Bah, en fait, je pense que tout le monde peut faire, mais ce qui est important, c'est d'être fait avec des protections tout simplement. D'accord ? Voilà, celui qui tient, ben, protégez-vous bien, et celui qui frappe, protégez-vous bien. Et franchement, il n'y a aucun risque si vous travaillez comme ça, tout simplement. Voilà. Je suis d'accord. Sur ce, femme, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu des familles. Si vous voulez me revoir avec mon papounet d'amour sur une autre vidéo, bah, je vous laisse me dire dans les commentaires toutes les idées qui passeront dans vos têtes. Sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Peace out. Qu'est-ce que c'est? Oh la glisse. Oh oui. Toi aussi, tu veux casser des briques avec tes papates, tu vas faire. Fais voir tes dents de tigre.